Good morgen, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Avram Mordechai Ben Israël Zephani et Armand Amram Ben Sulika, ainsi que le Rifouat Arav Baruch Shmuel Ben Elia et Léa Bat Elisheva. Si vous souhaitez, vous aussi, l'idée d'une prochaine étude, Michel, quand il y a 5 minutes éternelles, nous étudions ma Sechet Ragiga, Père Gimel Mishnah Bet, Kelim Manigmarim Bet Ahara, Sechin Vila la Kodesh, Avalo le Trouma. Akli Mesaref Meshem Betocho la Kodesh, Avalo le Trouma. הרביעי בקודש פסול והשלישי בתרומה. ובתרומה, אם נטמת אחת מידיו וחברת הטהורה, ובקודש מטביל שתיהן, שהיד מטמאת חברתה בקודש, אבל לא בתרומה. On continue à découvrir toutes les mesures de pureté et d'impureté que Khamim ont instaurées, spécialement pour le Kodesh, qui ne se retrouve pas dans la Trouma. La différence, c'est le sujet de notre chapitre. On a commencé avec Romer, Bakodesh, Mi Batrouma, c'était la mission précédente. On a dit qu'on avait 11. C'est allé sur les trois premiers Mishnayot. À présent, on découvre une nouvelle, c'est là. Kilim anigmarim betahara tsrichin tvila la kodesh. Un kli shenigmar betahara. Quand tu finis de fabriquer un ustensile en vue de l'utiliser pour le hekdesh, pour le kodesh, tu as fabriqué une assiette, tu as fabriqué une. D'accord, ça peut être une casserole, ce que tu veux. Eh bien, quand tu finis de fabriquer le kli, tu dois le tremper. Si tu comptes l'utiliser pour manger des kochim. Ou faire cuire des kochim dedans. Donc, il faudra le tremper au mikvé pour le kodesh. Avalo le trauma, mais pour la trauma, c'est pas la peine. Soit, on explique un petit peu mieux. Tout d'abord, prenez du fer à l'état brut. Mettez-le même en contact avec un mort. Il ne va pas véhiculer d'impureté, parce que pour le moment, il n'a pas un statut de kli. Donc, toute chose qui n'a pas de statut d'ustensile, il ne reçoit pas d'impureté, il ne véhicule pas d'impureté. Selon ce principe, au moment où tu vas finir de fabriquer un kli, eh ben, il n'y a aucune raison d'être impur. Malgré tout, pour le Kodesh spécialement, Khamim ont instauré de le tremper au mikvé et de le considérer comme impur pour le moment tant que tu le trempes au mikvé. Pourquoi? De peur que pendant qu'il n'était pas encore fini, qu'il y ait eu un Zav ou une femme Nida qui a peut-être postillonné dessus, envoyé un petit bout de quelque chose qui est resté, et cette impureté-là, c'est une impureté. Pour le moment, ça ne va pas rendre impur l'ustensile parce que l'ustensile n'est pas fini. Mais lorsque tu vas achever la fabrication de l'ustensile, peut-être que cette chose, ce petit postillon, il va rester posé dessus, il est encore humide, et lorsque ton ustensile va être fini, il va devenir impur. C'est une chumra qu'on a fait dans le Kodesh, dans les ustensiles que tu vas utiliser pour les korbanot, mais pas pour la chumra. Deuxième chose, c'est Akli Metzaraf Mashevetur la Kodesh. Un ustensile va associer tout ce qu'il y a en lui, pour que l'un va véhiculer l'impureté à l'autre, pour le Kodesh, dans le domaine des Kodeshim, des Korbanot, avalo bitruma, mais pas pour la Truma. On explique de quoi on parle exactement. C'est déduit du pasuk Kaf Achat Asara Zahav Mela Katoret, Akatu Vasa Kolma Sheba Kaf Achat. C'est la Gemara qui explicite ça comme ça. Soit, prenez une casserole et mettez dedans trois objets. Un qui est impur et les deux autres qui sont purs. Vous les mettez ensemble dans la casserole. S'ils ne sont pas entrés en contact, eh ben, l'impureté n'a pas été véhiculée. Pour tout ce qui est Kodesh, c'est pas comme ça. Ce qui est Kodesh, si on se retrouve dans un seul ustensile qui a des parois, alors l'ustensile, il est Akli Metzaref Kolma Shibetoho. Le Kli, il va être Metzaref, il va associer tout ce qu'il y a dedans pour être considéré comme une seule entité. C'est le principe. Vous allez mettre une impureté avec deux choses qui sont pures, sans qu'ils se touchent à l'intérieur. Tout va devenir impur à l'intérieur de l'ustensile. Pour le Kodesh, d'accord? Ça, c'est la nouvelle mala. Une autre mala encore, c'est Arevi, Bakodesh, Pasoul, Vashlishi et Batoua. Le quatrième niveau, il est invalidé au Kodesh. Et pour la Trouma, c'est que le troisième niveau. On explique un petit peu mieux. Il y a la famille de l'impureté. Depuis le grand-père, c'est Avi Avotatouma, c'est le mort. Celui qui va toucher le mort, ou bien on peut avoir toute autre manière d'être un avatouma, un père de la touma, donc deuxième niveau déjà. C'est pas encore il y a l'aviavot et avatouma. Le père de la touma, celui qui véhicule l'impureté, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être une personne qui a eu un épanchement, ça peut être un metzora, ça peut être un cadavre d'animal qui a pas eu de shrita. Il y a plein de choses qui véhiculent des impuretés. Eux, ils sont avatouma. Celui qui le touche, il devient avatouma. Si moi je l'ai touché, je suis devenu Avatouma. Excuse-moi, je suis devenu Rishon Latouma. Je recommence. Il y a le Avatouma, c'est la source de Latouma.
à laisser le mort de côté avec Aviavot sans qu'il y en ait besoin. Avatouma, c'est la source de l'impureté. Si moi je le touche, je deviens moi Rishon la Tourma. Je deviens Rishon la Tourma, je vais toucher un bout de viande. Le bout de viande il va devenir Sheni la Tourma, deuxième de la Tourma. La viande va toucher du vin. Le vin il est devenu Shlishi la Tourma. En théorie. Et puis, si le vin il va finalement toucher retoucher un autre morceau de pain cette fois-ci, alors il va devenir Révi'i. Mais attention, en réalité, ça n'existe presque pas ce qu'on a fait. Parce que, pour d'abord tout ce qu'on a notre consommation personnelle, depuis le deuxième niveau, depuis le chéni, c'est fini, on ne véhicule plus d'impureté, on n'a pas chliché. Pour ce qui est du domaine de la trauma, alors là on se retrouve avec une impureté supplémentaire avec ce domaine. Bah, j'essaie de me retenir, mais l'heure est tard. Et il y a pour tout ce qui est chouline, tout ce qui est profane, on s'arrête au deuxième niveau de Touma, au chéni, ce qu'on appelle chéni. Mais il n'y a pas chéni là, Touma. Mais si toutefois le chéni, il va toucher une pomme de Touma, il va le rendre chéni. La chéni, elle est invalidée par la Touma. La pomme, elle va toucher maintenant du vin de Touma, elle ne va plus le rendre impur, parce qu'il n'y a pas réveillé Batouma dans la Touma. Mais si toutefois cette pomme, elle va toucher du vin qui est Kadosh, qu'on est censé faire des Nesachim avec ça, par exemple, sur le Mesbéar, eh bien, il va le rendre réveillé la Kadosh. C'est ce que la Mishnah me dit. Il y a Révi'i, on peut aller jusqu'au quatrième niveau de, c'est-à-dire plus Av, Rishon, Sheni, Shlishi, Révi'i, pour le Kodesh, pour tout ce qui est Kodesh, mais pas pour la Touma. Et dernier sujet, c'est quoi? Oba Touma. Dans la Touma, Im Nitvet Achat Miyadav, s'il y a une de ses mains qui est devenue impure, Traver ta Teora, l'autre, elle reste pure. Tu as purifié ta main, et celle-là, elle est bonne, tu la laisses telle qu'elle. Oba Kodesh, mais dans le Kodesh, c'est pas comme ça, parce que comme un Bilishten, il faudra tremper ses deux mains. Tremper entre parenthèses, parce que pour se purifier les mains dans le Kodesh, ça ne suffit pas de faire des tirs à Tenaïm, il faut laisser les trempeaux au Mivé, comme on avait vu dans la fin du chapitre précédent. Donc, et la Mishnah explique un peu mieux. Shayad metamet traverta bakodesh, car l'impureté qui se trouve dans une main, elle est véhiculée à l'autre main, pour tout ce qui est Kodesh, avalo bitroma, mais pas pour la Trouma. On explique maintenant un peu mieux. Il y a, là, d'abord on parle de Tumat Yadaim derabanan. Toute l'impureté des mains dans la Torah, elle n'est que derabanan. Dans la Torah, si toi, en touchant avec ton ongle, tu as touché quelque chose qui rendait impur, on ne dit pas que l'ongle est impur, et ton doigt il est richon, et ta main elle est chéni, et ta tête elle est shlishi. Non, toi entièrement tu deviens tout richon, parce que tu as touché par l'intermédiaire de ton ongle, tu as touché l'impureté. Ça c'est quand la touma elle est midé oraita. Mais lorsque la touma elle est midé rabanan, pour certaines choses, quand même on a créé une impureté particulière pour les mains, que tu vas avoir que ta main qui est impure, mais pas le reste de ton corps. Alors là, c'est là où la Mishnah vient me dire, tu sais, pour la trauma, si cette main-là, tu as touché quelque chose qui ne valait pas toucher, qui t'a rendu impur, cette main-là, elle est devenue impure. Si tu veux le faire faire Nathil Atadaim, tu vas la tremper dans le migvé, elle devient pure. Pour le Kodesh, c'est pas comme ça. Pour le Kodesh, si elle est devenue impure, l'autre, si elle est devenue impure, dans la mesure où elle est restée humidifiée, c'est toute une histoire. Pourquoi? Est-ce qu'il faut que ça touche ou que ça touche pas? Ou on craint qu'il ait touché? C'est-à-dire, la Mishnah me dit, elle a l'air de me dire en fait que dès que cette main elle est devenue impure, celle-ci aussi elle a été impurifiée. En réalité, de la Gemara, ça sent que c'est pas comme ça. Apparemment, et ça sert une marque très chenille, on va comment expliquer. Mais dans la Gemara, ça, au sens simple, c'est si cette main elle est devenue impure et que cette main elle va toucher l'autre main, celle-ci elle devient impure. Vous avez compris? C'est-à-dire, non, dans tout ce qui est trauma, si cette main a touché une impureté, et après cette main elle va toucher l'autre main, une main ne rend pas impure l'autre main par un simple contact. Pour le Kodesh, tout ce qui est du domaine de la Gdusha pour se purifier les mains avant de manger, eh bien, une main va rendre impure l'autre main par contact. Mais pire que ça maintenant, si elle est devenue impure, on craint que machinalement, ton autre main elle est venue l'aider, tu tenais le livre et puis t'as touché ton autre main. D'accord? Facilement, il y a une main qui vient aider l'autre. Donc pour le Kodesh, s'il y en a une qui est devenue impure, eh bien, Yad Medama et Traverta Kodesh. Une main impure va rendre impure l'autre main dans le Kodesh, Avalo Bitroba. Ok? Pas pour le domaine de la trauma, et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la tzlacha kol tov.